Alright, fait que moi, il y a YouTube dedans. Et t'as tout le temps, un peu. Vas-y, sors-moi ça. Une vidéo, là. Nice, guys. That's it, dodo? Ouais, je vais voir ça, là. C'est des vidéos, mais ça va faire des photos aussi. That's it, guys. Nice. Salut, on va pouvoir faire notre petite intro, guys. Hey, guys, épisode numéro 5 aujourd'hui. On est backstage avec tous les athlètes de la team, guys. C'est un petit allô. Yes, sir, guys. Donc, on est à Québec Open de l'Ouest. Cinquième épisode pour nous qui commence la série. Aujourd'hui, c'est pas nous autres qui est en shape, c'est les boys. On va les suivre dans leur, leur petit backstage. Ouais. Honnêtement, les guys sont super en shape. Il y a vraiment du monde en shape ici, en gros. Fait qu'on va suivre la compétition aujourd'hui, guys. À plus tard. Alright, donc classe B qui va passer dans pas long, on a Pat, on a Ezekiel. Pat, ça va passer dans pas long, on a juste tête, on va regarder ça. J'avais dit sur Facebook que je cherchais un gros pouf, comme tu sais les immenses poufs que vous voyez dans les vlogs ou whatever, que les gens se couchent dedans pis c'est comme ça a l'air super mou. C'était cher, c'était quand même près 1100$, 1200$ plus le shipping pour l'avoir. Fait que j'ai fouillé pis j'ai trouvé de quoi de semblable à Toronto, je pense, pis j'espère le recevoir dans une semaine et demie. Pis je pense, en tout cas, j'ai rien commandé d'aussi gros ça, fait que je pense que je viens de le recevoir live en ce moment. Fait que je suis comme excité un peu, genre de voir la qualité, genre de voir de quoi ça va avoir l'air. Ça m'a coûté cher quand même, mais c'est pas grave, je le voulais vraiment pour le bureau pour pouvoir faire mes lectures dedans. Fait que on va voir de quoi ça a l'air. Donc, au final, c'est encore plus gros que ce que j'aurais pensé. Je sais pas si vous le voyez bien là. Ça c'est mon bureau. Ça c'est mon pouf, il est complètement énorme. Mon chien capote déjà dessus. En tout cas, je sens qu'ici ça va être vraiment la place pour écouter des films, faire mes lectures avec mon iPad, tu sais, garder plein d'affaires de genre, écouter mes podcasts aussi. Plein de choses qu'on dirait qu'à mon bureau ou dans le sofa, je suis pas tant. Je sais qu'elle pisse pas dessus par exemple. Là. C'est mon genre de musique que j'écoute au quotidien. Ouais, j'ai quand même une couple d'affaires différentes. Vous allez m'écouter, vous allez voir faire du rap français. Après ça, je vais écouter ça. Après ça, je vais écouter du R&B ou whatever. Puis ça, justement, c'est quelque chose qu'on veut faire très bientôt. Commencer à vous proposer des playlists que je vais me créer. Ben, j'ai déjà mon Spotify, mais essayer de vous faire plus de playlists si j'ai le temps. Hey, c'est à peu près ce que j'ai pu vous montrer au niveau de la compétition au Québec Open. Je sais que c'était pas le maximum. J'étais occupé là-bas, premièrement, à essayer d'aider Louis Dom avec les athlètes à les faire pomper, à essayer de les rendre le plus gros possible sur la. Hey, ce lighting-là est complètement fou. Hein. J'ai l'air quand même. On dirait quasiment que j'ai les yeux d'une autre couleur. C'est cute. Donc, j'essaie de les aider un petit peu au maximum. Donc, j'ai pas pris le temps de filmer au complet. Et évidemment, j'étais backstage aussi. Donc, c'est le fun backstage, mais c'est pas la meilleure vue qu'on peut avoir sur les athlètes de côté aussi. Honnêtement, compétition de malade. Les gars étaient en méga chef. Les filles aussi, honnêtement, mais comme. C'est le fun de voir la relève à quel point vous prenez. Du temps et de l'effort à le faire, vous les gens n'y pas, c'est vraiment ça, c'est prometteur pour le sport. Hey, cinquième semaine comme on disait, je commence ma cote officiellement aujourd'hui, j'ai reçu mon plan, donc on va aller connaître ça dans pas trop long. Je pense que j'ai reçu le plan alimentaire pour l'instant, on va regarder ça un petit peu. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de. Honnêtement, comme on a dit, même si j'ai perdu de. Excusez, j'ai ma sécheur en arrière. Même si j'ai perdu du gras avec le plan de prise de masse, je pense que ça va aller encore plus vite pour le reste. En ce moment, de quoi j'ai l'air.
tu sais, j'étais encore plus cut avant de jouer en lot, là, quand j'appelle ma taille un petit peu aussi, donc c'est quand même, c'est super, ça va être bon. Là, ce que je voulais vous parler en même temps, c'est le fait que c'est le fun de perdre du poids, c'est le fun d'être cut, c'est le fun d'être cute, c'est le fun de tout ça, mais comme, il y a quelque chose qui me fait très plaisir ensemble, qui va de mieux en mieux, c'est au niveau de ma forme aussi, au niveau psychologique. Des fois, quand on est en prep ou peu importe, on peut être super, super brûlé ou peu importe, puis c'est quelque chose qui, moi, dans mon cas, j'ai souvent abusé des pré-workouts, de la caféine, j'ai abusé avant le stock, évidemment, les affaires, qui font que tes glandes surrénales viennent vraiment maganer, ce qui fait que tu peux être beaucoup fatigué. J'étais du genre à me réveiller le matin, fatigué, à bailler souvent, à faire des siestes. En ce moment, je suis tellement au top de mon énergie comme jamais, puis tu sais, vous avez vu un petit peu au niveau du vlog, l'alimentation, ça aide beaucoup, beaucoup de carbs, donc j'ai beaucoup, beaucoup de calories, ça aide beaucoup. Les cernes, ça l'aide. Vous avez vu ma supplémentation, qu'est-ce que je prends aussi? Je fais attention beaucoup au niveau digestif. Donc, je me maximise au niveau de mon protocole, au niveau digestif. Si vous voulez aller voir les vidéos pour voir de quoi il y a l'air, c'est super important. Vraiment, vraiment important. Avec l'alimentation, la digestion, avec les suppléments qui viennent avec ça aussi en même temps. Vous m'avez vu aller faire du cupping avec Emily. C'était super aussi. Mais honnêtement, oui, ça fait du bien au niveau de la shape. Mais on dirait que j'ai tellement éliminé de toxines en même temps aussi que hey, je suis tellement en forme en ce moment. Puis, je le vois que mes glandes surrénales sont venues quand même. Pas mal plus ça coche parce qu'à ça je prends un café. Parce que là j'ai pris un café puis je suis défoncé. Là. Je suis complètement allumé. C'est pour ça que je parle vite. C'est pour ça que. Mais c'est le fun de voir ça. C'est le fun de voir que je suis en pleine forme pour un défi comme celui-là en ce moment aussi. Puis c'est ce que je veux que vous preniez compte aussi du fait que une prep ou même dans votre vie d'une transformation, peu importe, oui, vous devez couper des calories, faire plus de training, plus de calories pour perdre du gras, mais si vous pouvez être en méga forme physique, encore mieux de tout ça au niveau psychologique, digestif, etc., vous allez avoir encore plus de résultats plus rapidement. Puis ça va être encore plus, je veux dire en anglais, sustainable, ça va se garder à long terme. Donc, digestion, supplémentation, ça coche, on boit beaucoup d'eau, on mange beaucoup, faire des petits traitements comme que j'ai fait là pour essayer d'éliminer les toxines, pour juste comme améliorer en même temps la posture, les muscles en général, s'entraîner fort, bien dormir, hey! Oui, c'est beaucoup de choses, mais c'est un mode de vie, vous le savez, puis comme en ce moment, je suis très, très content de comment que ça va. Donc, cette semaine, on va faire un petit training tranquille, je vais vous montrer ça, ça va être un workout complet au niveau du vlog. On va vous montrer le nouveau training puis le nouveau plan alimentaire également aussi. Fait que ça va être un épisode qui va être une mise à jour un petit peu aussi en même temps. Donc let's do this! Je suis prêt à mourir déjà. C'est bon, c'est sûr que vous voyez bien. Donc, meal numéro 1, 4 œufs complets, 140 g de petits fruits avec un 100 g de viande. Meal numéro 2, 100 g de légumes verts, 100 g de riz avec un 175 g de protéines. Donc déjà en partant, on est à beaucoup de carbs de moins qu'avant. Meal numéro 3 qui m'a dit non, c'est pas lui le pre-workout meal, on l'enlève. Donc 175 g de saumon avec 100 g d'avocat et 100 g de légumes verts. On a mon meal pre-workout qui est 150 g de riz basmati, un 100 g de légumes verts, un 175 g de gibier. Post-workout, 200 g de riz, 100 g de légumes, 175 g de poulet. Et on a un post-workout shake directement après qui est un scoop et demi de whey isolate et un scoop de carboline qui est des carbs. Donc on peut voir que j'ai beaucoup déjà diminué les calories, donc ce qui fait que je vais disparaître tranquillement pas vite. Non, on va revoir les abdominaux apparaître très rapidement, je le sens. On attend de voir pour le workout, on va voir pour le reste de la journée. Je vais voir si on incorpore du cardio tout de suite avec ça parce que je veux juste être sûr. En même temps, le but de ça aussi c'est de oui perdre du gras mais de pas perdre du muscle là-dedans évidemment. Donc avec qu'est-ce que les suppléments etc. ça va bien pour ne pas perdre du muscle. Mais on va s'assurer qu'on descende pas trop bas en calories et qu'on fasse pas trop de cardio non plus. Faut avoir une bonne balance. Je suis déjà à pouvoir coter facilement sans même faire aucun cardio. Mais on reste d'en faire quand même un petit peu pour le bienfait de la série puis être complètement arraché d'ici 8 semaines. Donc c'est 8 semaines qui commencent. Là, on va aller faire un premier meal déjà, donc bien hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. 7h30 du matin, c'est l'heure pour tom, l'opération de mademoiselle aujourd'hui. On s'est fait chop au niveau de, c'est pas les couilles, c'est de l'autre chose. Donc, c'est quelque chose que je redoutais depuis un moment. Tu sais, quand tu t'attaches tellement à une petite bête, puis Gabrielle est avec moi jour et nuit à la maison, puis là, on m'a dit que j'allais être une journée au complet sans elle, je vais la lâcher demain. Donc, on va aller la porter au vétérinaire. On va la laisser là une journée complète. Hein? Bébé? Bon. Ma petite crotte est au vétérinaire.
C'est comme je suis léthargique cette semaine, puis comme je l'ai dit dans un de mes snaps, je sais pas si c'est parce qu'on coupe déjà. Hey, ce coussin-là, c'est la fucking vie. Je sais pas si c'est parce qu'on coupe déjà les calories, mais je suis comme. Hier, on se le dit entre vous puis moi, là, j'ai pleuré devant Batman vs Superman parce que Superman il meurt. Excusez-moi si vous l'avez pas vu. Il meurt. Mais j'ai pleuré quand sa maman a pleuré, puis tout. Fait comme je sais pas qu'est-ce qui se passe avec moi en ce moment. Hey, semaine de cut qui commence. Qu'est-ce que ça veut dire une semaine de cut en général? On va tranquillement, pas vite, embarquer du cardio au niveau du workout. Donc, du bon vieux cardio avec ça en même temps. On va faire une attention particulière au niveau de l'alimentation, évidemment. On va essayer d'éviter les fast-foods. J'arrête mon petit cognac du soir en même temps aussi. On va arrêter ça en ce moment. Grosse attention particulière au niveau de la supplémentation. Donc, s'assurer que la digestion soit à 200% sa coche pour qu'on puisse perdre du gras et perdre la rétention d'eau en même temps aussi avec ça. Le vlog aujourd'hui va être un petit peu plus court, juste du fait qu'on manque de temps, guys. Puis c'est comme, c'est un beau problème parce qu'en ce moment, il y a plein d'affaires qui se passent au niveau de la physique puis des autres projets. Et cette semaine, on a été à la compétition Québec Open. On a été testé avec Eric Pelletier, mon chum, le calisthénique. On a été testé avec Virginie mercredi, la gymnastique. On a un nouveau programme. J'ai eu des rencontres pour la compagnie de marketing. J'ai eu des rencontres sur la rive sud pour un nouveau projet qui s'en vient que je vous en parle pas tout de suite. Des montages à faire, des nouveaux workouts avec Ariane. Regardez, ça l'a pas été cette semaine. Puis malheureusement, c'est tout du contenu qui est en cours de préparation. Donc, ça va même pas apparaître dans ce vlog-là. Ça va absolument apparaître nulle part ici. Ça va juste apparaître sur la page prochainement aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, comme je vous disais, c'est qu'un peu plus tard, je vais vous montrer le nouveau workout. Vous avez déjà vu au niveau du plan alimentaire, qu'est-ce qu'il y en est. C'est vraiment une petite mise à jour qu'on va faire aujourd'hui. C'est ce qui va en être pour le vlog. Cette semaine, hey, je suis fatigué aujourd'hui, on dirait que je suis un petit peu plus veg déjà. Je m'en vais au gym dans environ une heure faire un gros workout d'épaule qui va apparaître sur la page de Projet Physique aussi, je vais vous la montrer dans le vlog. Donc là, je vais faire une petite sieste sur mon gros pouf, on se voit plus tard, guys. Tu peux y aller. Alright, donc on est au centre sportif évolution. C'est ça, extrême évolution, non? C'est extrême évolution. On est avec mon boy Zomar à la caméra. Donc on est au centre sportif extrême évolution à Laval. Donc aujourd'hui on a fait un petit workout pour la série, on a fait un petit workout d'épaule. Alright, donc premier exercice qu'on a fait dans le fond, on était, j'ai encore oublié le mot, overhead press. Donc overhead press, on est allé à la barre de squat, donc c'est carrément le mouvement où est-ce que tu viens complètement apporter la barre en haut de ton combat. Donc c'est comme un shoulder press mais vraiment plus complet, tu vas vraiment comme l'amener complètement en déloquant les coudes, les épaules pour embarquer au maximum les épaules là-dedans. Donc on a été le plus lourd que je pouvais en descendant pyramidalement. Donc c'est comme on est parti à 15 reps, ensuite 12, ensuite 8, 6, 6. Puis dans le fond, la dernière série, quand j'étais vraiment mon plus lourd que je pouvais pour la 6 répétitions, on faisait un drop set. Donc là vraiment, j'essayais de prendre le temps que j'avais à prendre pour changer mes poids. Mais on descendait de 50% de la charge et je refaisais le maximum de reps que je pouvais. Donc en partant, super bonne pompe au début du workout, donc c'est super comme exercice. Ensuite, on est allé vers le shoulder press assis. Donc, quand même assez léger. J'étais allé maximum 45 livres de mon côté. Juste vraiment bien contrôler la charge de A à Z. Mais on est vraiment allé dans un tempo 5-0-1. Fait que très, 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 très lent au niveau de la descente, au niveau des dumbbells. Et ça avait assez bon au niveau des épaules aussi. Après ça, on remontait. Puis encore une fois, déloquer les coudes au complet pour embarquer le maximum de pression dans l'épaule. Je suis resté dans la même affaire pour 4 séries, entre 8 et 10 répétitions. Mais le tempo, c'est vraiment qu'est-ce que. Je vais les prioriser pour cela. Ensuite, on est allé dans le beau petit spot de lumière, on est allé faire des lateral raises. Encore une fois, pour celui-là, c'est vraiment quelque chose qui est important d'aller super lourd au niveau du poids, donc j'ai beaucoup plus descendu la charge. J'étais avec des 20 livres. Avec des 20 livres super tranquillement, mais le but vraiment, encore une fois, c'est de bien contrôler, de vraiment comme d'aller tranquillement sur le range of motion au complet, mais de bien contrôler. Puis ça, c'était vraiment plus comme on allait chercher une pompe en même temps aussi, donc on faisait 20 répétitions, super contrôlé en même temps aussi. Donc ça, c'était pour les trois premiers exercices au niveau des épaules. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? T'avais fait un... On t'a aller derrière l'épaule. Ouais. Donc on t'a aller derrière l'épaule ensuite sur le pec deck. Ouais, pec deck. Ouais, sur le pec deck. On va aller sur le pec deck pour faire du rear delt. Donc encore une fois, pour celui-là, je trouve que le primordial, puis c'est ce que lui donne, pense aussi, c'est pas nécessairement cool de mettre ça super lourd et de faire 6-8 reps. C'est pas un mouvement qui englobe globalement un gros muscle. Donc plus au contraire d'avoir une pompe au niveau du derrière des pompes, donc on est descendu le poids le plus quasiment très très léger, mais on a monté le nombre de reps, donc j'étais à 20 répétitions pour celui-là aussi,
4 sets de ceux-là, vraiment, encore une fois, super bien contrôlé. Vous voyez que je ne m'assis pas au complet sur le banc. Le but, vraiment, c'était vraiment comme garder mon dernier épaule engagé en levant mon chest un petit peu. Fait que je lève mon chest, je descends ma scapula, puis je descends les trapèzes aussi pour vraiment bien engager mon dernier épaule durant le mouvement. Ensuite, on a fini avec un petit dernier au niveau du dernier épaule qui était sur les cordes. Donc, c'était un. Comment qu'on l'appelle déjà? Ça m'a dit que je suis fatigué, on a déjà coupé mes galeries, c'est déjà fatigué. C'est Cable Reel. Cable quoi? Cable Reel Belt. Ouais. On l'appelle même. J'aime ça avec les mots en français, là, je veux dire en anglais aussi. Donc Cable Reel Belt, c'est vraiment les deux poulies en haut parce qu'on est contacté le derrière au niveau des épaules. Même chose encore, on est allé super léger, juste pour que façon de contrôler au maximum et de plus engager derrière l'épaule. Donc un autre 20 reps là-dessus, 5 sets encore. Donc c'était pas mal ça le workout, c'est quand même assez rapide, on avait tout quoi, genre 45 minutes environ maximum, mais on avait 5 exercices qui avaient comme entre 5 et 6 séries pour chaque, donc c'était quand même super intense, super forçant, mais on a plus concentré vraiment sur les trois différents, on a visé un petit peu la masse de l'épaule, ensuite on a visé le devant, puis on a visé le derrière aussi, donc pas vraiment besoin de faire 14 millions d'exercices pour finir comme sur le cul à pouvoir rien faire, on a vraiment été plus tranquille un peu, mais visé davantage les parties que je voulais qu'on travaille. Donc c'était pour mon workout, on fait un petit peu de cardio juste pour dire que j'en fais un peu en ce moment. Yeah.